toutes, bonjour à tous. C'est une grande journée pour la pétanque mondiale aujourd'hui. Cette journée, nous vous proposons de la vivre avec nous pour suivre les championnats du monde qui se déroulent et qui se terminent aujourd'hui au Danemark, à Karlslund. Nous allons vivre ensemble la finale du championnat du monde tête-à-tête masculin. Ensuite, la finale tête-à-tête féminine, la finale du doublette mixte, la finale des doublettes masculin et féminin. C'est une grande journée de pétanque qui va se dérouler aujourd'hui, qui va se dérouler sans la France, puisque elle n'est pour la première fois depuis très longtemps, les diverses sélections françaises ne seront pas présentes à ce stade de la compétition. Et puis, par contre, une journée qui va se dérouler et qui va être une fête pour la pétanque espagnole, puisque les Espagnols vont participer à trois finales pour la pétanque suisse et la pétanque italienne, puisque leur sélection, eux, vont disputer deux finales. Et puis, pas la France, je vous le disais, pas non plus l'Afrique, puisque aucune équipe africaine, et notamment d'Afrique du Nord, n'est présente aussi à ce stade des finales. Ça va être un duel entre les équipes asiatiques et les équipes européennes auxquelles nous vous convions aujourd'hui. Et on rejoint tout de suite, là, vous le voyez, les Jeux de Karlslund, du Dansk Pétanque Center de Karlslund, pour suivre tout d'abord une partie qui promet beaucoup entre deux jeunes gens, entre Diego Rizzi et Jesús Escacho, c'est le vice-champion du monde de triplette. Et puis Diego Rizzi, c'est une grande, grande matinée pour lui, parce que peut-être pour la première fois, il n'a pas devant lui, depuis que ces championnats du monde de tête-à-tête existent, il n'a pas devant lui Henri Lacroix, il n'a pas devant lui Claudie Weibel. Il a un gros gros challenge avec son adversaire Jesús Escacho, mais il doit se dire aujourd'hui que peut-être la porte d'un premier titre mondial en tête-à-tête s'entrouvre, et il va sûrement essayer de se saisir de ce challenge. Voilà, on va suivre cette partie évidemment, alors que vous le voyez, les joueurs prennent place sur le carré central de ce Dansk Pétanque Center, et devant le public danois. Voilà, on les présente. Evelyne Chapillon, l'arbitre international, qui va arbitrer cette rencontre. Le coach italien, qu'on connaît maintenant, puisque les équipes italiennes jouent au plus haut niveau depuis quelques années, grâce à leurs étoiles Diego Rizzi, Alessio Cocciolo. Et là, c'est le coach espagnol, l'Espagne qui a maintenant, depuis quelques mois, pris l'habitude de truster les places d'honneur dans les compétitions internationales, notamment grâce à ce garçon, ce jeune joueur qu'on a vu excellent en novembre dernier en tir de précision face à Dylan Rocher, vous en rappelez certainement, et puis qu'on a vu tout aussi excellent aller jusqu'en finale du championnat du monde de triplette, avec ses amis Gouache et Cardenas. Vous vous rappelez certainement de cette finale France-Espagne qui nous avait enthousiasmés en novembre dernier. Il est encore là, il est encore en finale de championnat du monde, Jesús Escacho, et il va certainement essayer de réaliser son rêve, parvenir à enfiler un maillot arc-en-ciel et ce, tout seul, en tête-à-tête. Ces deux garçons ont eu un parcours remarquable, évidemment, puisqu'on ne parvient pas, évidemment, à la finale de championnat du monde sans avoir éliminé un certain nombre de gros compétiteurs. Escacho, c'est peut-être celui qui a eu le parcours le plus impressionnant, hein, puisqu'il a disposé de Mikey Molina, le champion du monde en titre, en demi-finale. Mais il avait battu auparavant le Thaïlandais Tousewa et le Sénégalais Farah Ndiaye. Donc cette place, il se l'est construite grâce à son talent.
Et Diego Rizzi, lui, a dû écarter Dédé Lozano, le Belge, et Franck Millau, le Monégasque, pour conquérir également cette place en finale. Donc, on a deux garçons qui sont, on les connaît, ils sont talentueux, mais surtout qui sont en forme. Hein. On les a vus mettre de leurs moyens hier. Alors Rizzi, c'est pas étonnant parce que Diego Rizzi, il cherche depuis très longtemps à devenir champion du monde. C'est peut-être cette partie-là qui lui tend les bras et que c'est peut-être son occasion, sa première occasion d'amener à l'Italie un titre mondial après lequel elle court depuis longtemps. Si ma mémoire est bonne, je crois que le dernier champion du monde italien, c'était Napolitano. Et donc ça remonte quand même à un certain temps. Mais c'est exactement la même chose chez les hommes pour les Espagnols. Le dernier titre mondial espagnol, il commence à être un peu ancien. Donc je pense que toute l'Espagne est derrière ce garçon, Jesús Escacho. Et vous aussi, je suppose, puisque vous le savez, si on a la chance de vous proposer sur Internet, donc à la planète entière, ces images, c'est grâce à une collaboration qu'a fait Bouliste Note avec cette chaîne de télévision Sport Live danoise. Et aussi, ben, vous le voyez, grâce à tous ces gens-là qui s'affichent sur votre écran, ces gens qui ont abondé la cagnotte Ulule que nous avions créée dimanche. Et en 3-4 jours, nous avons pu réunir les 4 000 euros nécessaires à l'achat du flux d'images que génère cette télévision danoise, et pour les repartager avec vous en France et bien ailleurs. Hier, vous avez été nombreux à suivre nos retransmissions aux États-Unis, en Asie, en Afrique et dans toute l'Europe. Voilà, on voudrait remercier plus précisément ces gens qui ont participé à cette cagnotte Ulule, MS Pétanque, National de Ploudalmaison. Nous serons ce week-end, le week-end prochain, dans le Finistère. L'ami Jean-Louis Casmajou, fidèle au poste, l'international de Riom, Cédric Labert, Bernard Seve, Gilles Bonutti, Johan Gache, Christophe Campiglia, Xavier Espeja, Jean-Pierre Albertini, Jonathan Faribault, et puis tous les autres, hein, puisque vous avez été plus d'une centaine à donner pour remplir cette cagnotte. Et puis merci aussi à tous ceux qui sont influents dans le monde de la pétanque, les champions, les organisateurs de nationaux, tous ceux qui ont relayé sur les réseaux cette initiative et qui nous permettent d'avoir ce bonheur aujourd'hui de suivre ces finales du championnat du monde. Et la première commence, c'est Jesús Escacho qui va entamer cette finale. Beaucoup de pression certainement sur les épaules de ces deux jeunes gens. Il joue un titre mondial et chacun ne peut compter que sur sa propre force, ses propres capacités. Et c'est très bien entamé pour Escacho, qui va tester tout de suite Diego Rizzi. C'est cadré. Alors c'est cadré. Non, excusez-moi, on n'avait pas vu. Les deux boules sont sorties et c'est donc à Rizzi de jouer. Non, les deux boules ne sont pas sorties, mais il n'a pas cadré. Pardon, là, le plan s'est élargi. Enfin, de toute façon, c'est à Rizzi de jouer. Et là, c'est Escacho qui va prendre la main au tir.
elle doit être très très lourde cette boule dans la main des Scaccio. Il sait qu'en frappant double, il peut prendre le départ le premier. Il faut déjà frapper celle-ci. C'est superbe, la boule est restée, 2 points au sol pour Escacho. Voilà, je vais vous dire quand même une fois son nom complet, il s'appelle Jesús Escacho Alarcón. Mais si ce garçon continue à produire le jeu qu'il produit là depuis au moins un an, là, dans le monde de la pétanque, ça va être Ressus, ça va être Jésus, exactement comme on dit Dylan et ou Diego. Voilà, c'est joué intelligemment. Il a joué plutôt du côté de la ficelle, Diego Rizzi, parce que il faut se donner une chance que sur un palais de d'Escacho, la boule de l'Espagnol sorte. En tout cas, c'est 2 en frappant, 3 au carreau pour Escacho. Déjà une boule importante. Et voilà, la boule de Escacho est sortie, ce sera 2 points. Très bon début de l'Espagnol. On attend évidemment à présent la riposte de Rizzi. La voilà la riposte de Rizzi, ce carreau magnifique. Ouh là là, il était parti pour faire le même Escacho, malheureusement, c'est une casquette. Et il se peut que le point reste à l'italien. Apparemment, il va chercher un bouchonnet. C'était bien tenté. Il aurait pu aussi jouer très très long hein, pour mettre une boule en fond de cadre à Rizzi qui aurait dû choisir entre faire 2 points en pointant ou 3 en tirant. Là, c'est clair, c'est une mène de 3 que peut réussir l'Italien. Ça le mettra en tête. Hein. Attention à ce tir.
Oh là là, la boule n'est pas sortie. La boule d'escacho est toujours en jeu, elle s'est immobilisée sur la ligne, vous l'avez vu. Donc Diego Rizzi tire pour un point ou deux, c'est un peu la question, parce que à mon avis, s'il réfléchit, c'est qu'il a un seul point en frappant. Et comme la boule est sur la ligne, c'est difficile de faire deux points. On va sûrement choisir de pointer. Ah non, il tire Diego Rizzi. Alors, la marque est italienne, c'est sûr. On va bien vérifier que c'est un seul point qui a été marqué. Non, c'est deux points, il est tiré pour deux. Donc le jeu était clair, effectivement. De partout, une finale qui est à présent lancée. On se fait un petit peu du souci du côté espagnol, du côté des supporters espagnols. En tout cas, l'Espagne qui est devant ses écrans ce matin pour en espérant un premier titre mondial en tête-à-tête. Ça serait énorme, ça, pour ce beau pays de pétanque. Mais je crois que ce sera aussi énorme en Italie, hein. L'Italie qui est omniprésente au plus haut niveau, au plan international, alors que c'est une toute petite fédération, la Fédération italienne de pétanque, avec quelques milliers de licenciés. Ah, c'est superbe. Superbe, hein, le bouchon est à 1 mètre devant la ficelle. Il fallait vraiment très très bien tirer pour garder la main. C'est ce qu'il vient de faire, Scaccio. Une boule qui est peut-être un petit peu courte. Voilà. Et en effet, la partie d'hier, la journée d'hier a été très très longue. Les parties de doublette homme notamment se sont finies très tard. Et notamment à cause d'un match extraordinaire là, qui a opposé l'Italie à l'Espagne. Oui, alors 22h, oui, c'est pas 22h, ça s'est fini bien après minuit. Et notamment, un des protagonistes de ces parties tard dans la nuit, ben, c'était lui, c'était Diego Rizzi. N'a pas dû dormir beaucoup l'Italien. Ça peut jouer sur sur le résultat de cette rencontre.
deuxième point, moins si on en croit le public danois. Ça sera certainement 2 points pour Escacho, avec sur cette dernière boule encore une frappe un peu dure sur ce terrain là, sous cette couche de gravillon là que vous voyez, il y a un béton qui est diabolique. Hein, beaucoup de joueurs en ont fait les frais hier, beaucoup de joueurs, beaucoup de joueuses. Et notamment les Français qui ont eu du mal à s'adapter à cette surface. Voilà, c'est là. C'est une journée un petit peu bizarre pour nous autres Français, hein, parce qu'on est, on n'est pas du tout habitué à voir des parties finales de championnat du monde sans nos compatriotes. C'est le cas aujourd'hui. Alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour nous Français. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour toute la pétanque internationale là, qui voit des portes s'ouvrir à elle aujourd'hui. C'est encore une mauvaise nouvelle pour l'Italie parce que c'est Escacho qui va prendre la main sur cette frappe un petit peu insuffisante de Rizzi. Il commence à bouger la tête de dépit l'Italien. Là, il voit qu'il n'est pas, n'a pas sa courbe habituelle pour l'instant. Est-ce qu'il va choisir de mettre le point bon? Ce serait pas évident sur ce coup-là. Oui, parce que si il prend le carreau, il n'aura pas trop de choix. C'est fait, hein. 2 points au sol pour l'Espagne et finalement Rizzi qui doit subir. Attention, hein, parce que là ça va être c'est une occasion de break pour l'Espagnol. Regrette peut-être un petit peu son choix, Rizzi, hein. Il pouvait mettre sa deuxième boule très loin derrière le bouchon. Alors il peut pointer pour attendre. Il est aussi capable de tirer le but, hein, parce que c'est un exercice qu'il affectionne. Ah, il a choisi la solution intermédiaire, c'est-à-dire qu'il a tenté une radnik. C'est un coup qui consiste à pointer en essayant de tomber sur le but. C'était bien tenté. Comme son nom l'indique, c'était un coup qu'avait inventé Zvonko Radnik et qui réussissait très fréquemment. Oh là là, et ce carreau qui met l'Espagne à 7 à 2. Il commence à se donner de grandes chances de devenir champion du monde, Jesús Escacho. Et maintenant, c'est Diego Rizzi qui est dans le dur.
Le match est lancé et a lancé, vous le savez, à l'avantage de l'Espagnol Diego Rizzi, maintenant qui a buté en demi-finale en 2015 de ce même championnat du monde tête-à-tête sur le Belge Claudie Wébel et qui a buté par deux fois en 2017 en finale face contre Henri Lacroix et à nouveau en 2019 contre Henri Lacroix, un petit peu plus tôt dans la compétition. Là, il est arrivé ce matin certainement en se disant qu'il n'avait pas un monstre de la discipline face à lui. Et ben, ce n'est peut-être pas le cas. Peut-être que ce jeune garçon, ce jeune Espagnol que vous voyez, c'est un futur monstre de la discipline, le futur légende de la pétanque. En tout cas, cette légende, il a construit depuis un an. On l'a vu l'an dernier au sein des Masters de pétanque. On l'a vu en finale du championnat du monde en Espagne. Il grandit, Reso Sescacho. Là, et rien ne va quand la partie ne sourit plus. Voilà ce qui se passe. Ce petit palais de Diego Rizzi, sa boule est sortie, celle de l'Espagnol est restée. Et il est à nouveau dans les difficultés, l'Italien. Quand même un peu surpris qu'il ne tente pas de mettre une boule en arrière du bouchon. Ah, quand même, il met un petit peu la tête sur le billot, là, Rizzi, sur ce coup-là. L'Espagnol est dans un temps fort. Peut manquer, certes, mais il a quand même plus de chances de prendre un carreau que de voir un trou. Rizzi, ben voilà, c'est fait. Encore deux points au sol et une boule à une pour l'Espagne. Là, je pense qu'il a décidé de tirer au bouchon. Essayer de tirer à la boule, c'est pas mal. L'Espagnol n'a plus qu'un point en frappant. Mais il a le choix. Il peut la boule de le point de Rizzi est assez loin du bouchon. Il peut choisir de faire un point aussi, un pointant, Escaccio. Parce qu'en bien tirant, il peut prendre un contre. Et voilà, il a choisi la sagesse. Il a choisi de monter à 8 à 2. Une preuve en tout cas de lucidité chez ce jeune homme, là. Beaucoup de joueurs de son âge, là, qui se seraient lancés au tir. En prenant le risque, là il n'a pas pris le risque, il sait qu'il tient le bon bout. Et par contre, sur cette faute de bouchon, il peut se. Voilà, il va certainement poser le bouchon très court et au milieu du jeu, Diego Rizzi. De façon à ne pas voir la mésaventure qu'il a vécue à sa première boule de la main précédente, faire palais et devoir rejouer. Le match s'anime, on sait que Diego Rizzi est tout à fait capable de remonter cette partie. C'est un immense champion, il l'a prouvé depuis bien des années. Mais quand même, il est dans la difficulté. Il va falloir absolument réussir une belle main de tir. Voilà, c'était Escaccio qui a tenté la radnik.
Alors attention à cette boule. Hein. Il faut absolument que Diego Rizzi fasse passer. C'est-à-dire que sa boule s'immobilise plus près de bouchon que la boule qu'il aura frappée. L'idéal, ce serait un petit palet hein, qui s'éloigne du bouchon de façon à ce que l'Espagnol ne puisse pas répliquer. Ce qui est interdit, évidemment, c'est de manquer. Voilà, ça c'est parfait. Oh là 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 là. Alors ça c'est un ballon d'oxygène pour le joueur italien. C'est peut-être la première boule vraiment rendue par Escaccio. C'est un tout petit détail, hein, mais on sait qu'en tête à tête on est seul sur le terrain. La plus petite déception peut changer un petit peu l'état d'esprit, entamer le mental. Voilà. Et là, c'est une boule très importante que va jouer Rizzi, parce que s'il venait à cadrer sur le mauvais point d'Escaccio, ça serait 3 points et ça le relancerait dans cette partie. C'est fait. C'est fait, c'est magnifique. Ça sera à présent 3 points pour Rizzi. Il va revenir à 3 longueurs de l'Espagnol. Rien n'est fait dans cette finale. Beaucoup beaucoup d'applications chez Diego Rizzi. Le point semblait imperdable, mais il s'est appliqué, il s'est reconcentré. C'est aussi ça la clé de ce niveau fourni par l'Italien dans toutes ces grandes compétitions. C'est beaucoup beaucoup d'applications aussi, en plus de son talent. Rappel pour ceux qui n'auraient pas encore téléchargé sur leur téléphone l'application Bullist Note Live qui vous permet, vous le savez tous, de suivre l'actualité pétanque au plus près et en temps réel. Allez, on revient à cette finale 8 à 5 pour Escaccio. Et évidemment, Diego Rizzi qui a cherché un peu à se rapprocher de la ficelle parce que là, il faut d'abord, il faut faire retirer Escaccio. Ah là là, oh là là, la ficelle, il a franchi Rizzi. Ça, c'est une catastrophe. Pour l'Italie, évidemment. Parce que du côté espagnol, on se réjouit. Parce que là, il voulait faire tirer Escaccio, il voulait essayer de provoquer sur un petit palet d'Escaccio une boule espagnole qui passe la ficelle et puis la sienne qui reste en jeu. Puis ça, c'est complètement raté, parce que là, il a rendu la boule carrément, il joue à 2 boules contre 3 dans cette main. Escaccio, lui, il ne va pas s'approcher de la ficelle, c'est certain.
Ah, alors ça c'est trop bien joué. C'est trop bien joué parce que ça donne une chance à Rizzi d'annuler. Je pensais qu'Escaccio allait jouer vraiment à gauche du but. Il s'en veut, hein, il le sait, hein, il sait que. Ça paraît bizarre de dire qu'il a fait une petite faute là, à l'embouchonnant, mais c'est le cas. Et voilà, il a saisi l'occasion, Diego Rizzi. Toujours 8 à 5 pour l'Espagne. Ça aussi, c'est un petit regret qui va tourner dans la tête de l'Espagnol. Il est phénoménal, Resus Escacho, mais il est encore jeune, il manque encore un peu de sens tactique. Ça peut être un petit défaut qui peut payer dans une partie aussi serrée, dans une partie où chaque détail compte, chaque boule compte. C'est une finale de championnat du monde. C'est un nouveau but bien joué, 9,50 m en direction de la noyade. Et là, on peut parier que Rizzi ne va pas se faire prendre une nouvelle fois. Il est quand même obligé de tenter de le mettre au bon, hein, de faire tirer l'Espagnol tout de suite. Hein. Alors, si vous suivez cette rencontre là sur Facebook, il se peut que vous ayez quelques décrochages, mais là nous vous conseillons nous de la suivre sur la chaîne YouTube de Bouliste Note. Hein, là vous aurez la partie continuellement en intégralité. Et évidemment, vous pouvez accéder à cette chaîne YouTube très simplement à partir de Bouliste Note ou de Bouliste Note Live. Ah, le piège était tendu pour Escacho, il pouvait très bien faire un petit palet et rendre une boule. Il ne l'a pas fait, ce carreau signe le retour de l'Espagnol. Alors les deux boules sont sorties et c'est à Rizzi de jouer. Là c'est à nouveau un tournant hein, parce que l'Espagnol peut à nouveau prendre la main pour à nouveau recreuser un petit peu l'écart. Et puis déjà Rizzi va être quand même obligé de s'approcher du bouchon, donc de prendre un peu le risque de s'approcher aussi de la ficelle. Il est à nouveau un petit peu dans la difficulté, l'Italien. Là, oh là là, il s'est très, oh là là, il s'est vraiment approché de la ficelle. Hein. Alors c'est avantageux parce que effectivement, si l'Espagnol décide de tirer. Mais je pense qu'il ne va pas décider de tirer Scaccio, il va essayer de pointer. Le point de Rizzi est relativement moyen. Peut très bien parvenir à non seulement à marquer, mais à faire 2 points en pointant Scaccio. Tout cas, il va le vérifier dès la première boule.
Ah, attention parce qu'elle est courte, hein. Il a perdu. Il a certainement perdu. Il a fait un signe de la tête à son entraîneur. Alors, on va le vérifier. Si c'est le cas, il n'a fait qu'un seul point. Parce qu'il a essayé visiblement de jouer sa boule. Il essayait de la rentrer. C'est ça, un seul point pour l'Espagne. 9 à 5. Alors c'est un moindre mal pour Diego Rizzi. Et là. Italien qui fait une bonne opération. Vous le voyez, Scaccioli est allé chercher un petit peu de réconfort là auprès, notamment auprès de Javier Cardenas, qui est comme à l'habitude, comme d'habitude de très bonne humeur. Allez, il a carrément rendu sa première au bout, l'Espagnol. Il va tenter certainement de faire deux frappes et de limiter autant que se peut la casse sur cette main. Alors, Rizzi avait choisi de mettre le bouchon en plein milieu pour réussir une main de tir. C'est l'Espagnol qui va tenter de la faire. Voilà, c'est au tour de Rizzi de rendre la boule. Alors, on a enfin la partie tactique qu'on attendait, une finale de championnat du monde en tête à tête. C'est toujours à un moment ou à un autre un affrontement tactique. On n'avait pas trop eu jusqu'à présent. Et là, c'est le cas. Alors, il a le choix, Escacho, ou tirer comme il l'avait prévu dès le départ, essayer de frapper deux fois pour ne perdre qu'un point. Et il a aussi le choix de pointer, mais là il laisse l'initiative de l'attaque à Rizzi. Et ce choix, il le fait en commun. Il s'est rapproché de Cardenas et de son coach pour prendre cette décision. Et on a décidé de pointer. Il a presque réussi ce qu'il voulait faire. Il voulait certainement bouchonner. La boule s'est couchée au dernier moment. Regardez. Magnifique. À nouveau, on hésite, hein. Il peut tirer sur le carreau de Rizzi, essayer de cadrer, il peut. Pointer à nouveau, mais là c'est un petit peu mettre la tête sur le billot. Alors il a peut-être choisi de tirer aussi au bouchon. C'est le cas, il a frappé le bouchon, Escacho. C'est superbe parce que ce bouchon n'est pas sorti, vous le voyez, il est allé dans le fond du jeu et dans les deux boules espagnoles.
Ça, c'est un retournement de partie incroyable parce qu'il était sur une main où il pouvait perdre 3 points, Resso Sescaccio. Et maintenant, c'est Rizzi qui va devoir batailler pour arracher la marque, tout simplement. Et il a choisi de tirer apparemment Rizzi, donc ça veut dire qu'il va falloir faire un carreau pour marquer. Et ça ne suffira pas, il y a peut-être toujours 2 points pour l'Espagne. Hein. C'est ça, c'est le signe que vient de faire Escaccio à l'italien. Ça c'est incroyable, c'était une main qui était promise à Diego Rizzi. C'était une main où l'italien pouvait faire 3 points, il pouvait revenir contre son adversaire. Et puis maintenant, l'Espagnol mène 11 à 5. Et se rapproche de plus en plus du titre mondial. Ça, c'est terrible ce qui arrive à Diego Rizzi. Il est quand même arrivé sur le terrain en étant le favori logique de cette rencontre. Et là, il se trouve en très très grande difficulté. Il était arrivé à sortir une main pour recoller un petit peu. Il va falloir à nouveau qu'il sorte certainement une grosse main de tir pour exister encore dans cette partie. Et notamment, il va falloir qu'il frappe cette boule. Rien ne va pour Diego Rizzi. Il fait une frappe superbe, mais vous l'avez vu, sa boule est sortie. Attention à ce tir, hein, parce que si Resso Sescaccio arrivait à cadrer, il se mettrait tout simplement sur une main de gagnant. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Maintenant, l'Italien va forcément devoir attaquer à son tour. Il va certainement tirer sur le carreau d'Escaccio pour essayer de sortir cette boule et de ne perdre qu'un point. Et c'est manqué, perdu pour Diego Rizzi. Oui, c'est super. Alors on va essayer de voir le fond de cadre, de voir si cette boule espagnole est sortie. Parce que... J'espère qu'on va nous le montrer. Elle a dû sortir, je pense, donné la vitesse qu'elle avait. Alors, on l'espère pour Rizzi, parce que sinon, ça serait carreau gagné pour Escaccio. Encore un carreau. C'est superbe ce que viennent de nous montrer ces deux garçons. Ils tiennent le coup, ils ne bronchent pas, Resso Sescaccio. On
on le savait depuis l'an dernier, à travers toutes les prestations qu'il a fournies, notamment dans l'Hexagone et puis aussi en finale, pendant ce championnat du monde chez lui en Espagne, en triplette. On savait que Resso Sescacho, on voyait la naissance d'un futur grand joueur. Il le prouve à nouveau dans cette partie, en dominant, il n'y a pas d'autre mot pour l'instant, Diego Rizzi, qui est un des maîtres de la discipline en tête-à-tête depuis des années. Eh ben, il ne bronche pas l'Espagnol, il tient cette partie depuis le début, il fait la course en tête et il est à un point d'un premier titre mondial. Coach italien qui commence à s'exprimer, toujours très présent lui sur les parties de Diego Rizzi. Là, évidemment, on n'ose pas se lancer au tir, hein, parce que ça serait pratiquement certain qu'on rendrait une boule. Il va peut-être falloir gagner trois fois ce point pour rester en vie. C'est difficile sur ce terrain qui est où le sous-sol était extrêmement compliqué. C'est un béton qui est bosselé, où on ne frappe jamais de la même façon. Ah, c'est un rock, hein, sur ces scratchos. Cette partie-là, il ne cède rien. Lui non plus ne cède rien. Mais comme on le disait, il va certainement falloir. Oui, c'est ça. Je vais poser la séance celle-là. Alors, attention à ce tir de Scaccio. Et voilà, après sa tête, il va y avoir un petit palais, peut-être un carreau. Et maintenant, il faut absolument que Diego Rizzi regagne une nouvelle fois le point. Sinon, ça sera fini. Ouais, il est solide l'Italien. Il n'a pas flanché. À 6. Encore beaucoup de chemin à Diego Rizzi vers ce titre mondial. Ah, il y a faute de bouchon, ça. Ça devient terrible, hein, depuis quelques années, là, ces fautes de bouchon, parce que ça change complètement, surtout en tête-à-tête, une partie de pétanque. Il faut, je pense absolument que tous ces grands champions apprennent aussi, en plus de tout leur talent, à jeter le bouchon, comme le font si bien les joueurs malgaches ou certains maintenant joueurs qui ont appris à jouer le bouchon avec précision, parce que là on le voit, cette faute de bouchon de Diego Rizzi, ça peut changer complètement la dernière main. On pense que Scaccio va mettre le but assez près, au milieu du jeu, voilà, c'est fait. Et ça va lui faciliter la tâche pour essayer de marquer et de gagner. C'est une chic. Alors ça, c'est inespéré pour Diego Rizzi. Hein. Il va devoir retirer Scaccio.
Les encouragements de Cardenas. C'est le rôle qu'a joué Javier Cardenas à l'intérieur de la triplette vice-championne du monde en Espagne pour encourager sans cesse ces jeunes joueurs-là. Il continue à le faire depuis sa chaise. Mais des encouragements qui ne suffiront pas. Et maintenant, il a mis la table pour Diego Rizzi, Escacho. Il peut choisir de tirer encore pour ne perdre que 2 points. Mais en tout cas, il fournit d'ores et déjà une main de remonte à son adversaire. Voilà. Il a limité la casse au maximum, mais ça sera 2 points. Nous à 8, l'Italie n'est pas morte. Il pouvait reculer le rond, Rizzi, mais il a choisi de ne pas le faire. Il va certainement essayer de jouer tout au fond du cadre. Vous le savez, il suffit que le bouchon soit à 50 cm de la ligne de fond pour que soit bon. Alors, il voulait certainement le jeter un peu plus loin. En tout cas, il s'est donné une chance hein, de. Mais là, il faut faire tirer Escacho, absolument. Merci Clément. On nous suit de Belgique, vous le voyez, avec l'ami Clément Triboulet. Voilà, ça c'est fait. Première partie du plan est réussie. Et maintenant, il va espérer, Diego Rizzi, simplement que sur un palais. Descacho, la boule de l'Espagnol sort en fond de cadre. En tout cas, le piège est tendu. Et ça a fonctionné pour l'instant avec une mène qui sourit à nouveau à Diego Rizzi. Attention, je le disais à l'instant, mais le canard italien n'est pas mort, hein, il est toujours vivant. Il va. Si Rizzi parvenait à réussir cette main, on finirait tout simplement à la bataille. Alors rien n'est fait, hein, il va falloir quand même frapper cette boule pour l'italien et puis si possible cadrer pour avoir 2 points au sol. C'est. Voilà, c'est les minutes qui viennent et qui vont décider de ce qui va se produire. Oh là là, c'est manqué, c'est manqué. Alors là, ça devient très grave hein, parce que il va falloir affronter des choix. Alors ça, on s'y attendait pas du tout à ce que Diego Rizzi manque cette boule. Il avait l'ouverture. Là maintenant, il va certainement tirer, il va certainement espérer un petit palet qui monterait sa boule au bouchon. Mais là, le train est passé, j'en ai peur. Hein. C'est chiqué, je pense que c'est fini, Ressus.
Escacho Alarcón est champion du monde tête à tête. C'est magnifique, c'est un résultat magnifique pour ce garçon qui nous épate là depuis plus d'un an. C'est aussi un résultat magnifique pour la fédération espagnole, pour l'Espagne, pour ce pays qui est, où la pétanque est tellement, tellement aimée. C'est superbe ce premier titre mondial pour l'Espagne. L'Espagne qui en espère d'autres puisqu'elle va aujourd'hui disputer trois finales de championnat du monde. La première déjà a été la bonne avec cette victoire magnifique, magnifique de Jesús Alarcón. Vous le voyez, il est ému, il a raison. C'est un jeune, jeune joueur qui est promis à un avenir magnifique. C'est de belles images là qu'on voit avec Alarcón qui Escacho qui fête ce titre dans les bras de son ami Javier Cárdenas. Javier Cárdenas qui va bientôt disputer lui aussi une finale de championnat du monde en doublette mixte. La journée commence très très bien pour l'Espagne avec les félicitations de Aurelia Blasquez qui elle aussi va concourir tout à l'heure du côté de l'Espagne. On se réjouit, on est heureux, et nous aussi, puisque on partage avec vous ces beaux moments de pétanque, ces beaux moments de pétanque internationale. C'est très un beau, beau, beau début pour ce dimanche de boules et de belles rencontres. Je ne trouve plus mes mots là. Il m'a ému ce garçon parce qu'il est il a vraiment du mérite. Il n'était pas favori dans cette au départ de cette compétition. On attendait Diego Rizzi, on attendait un premier titre mondial pour l'Italie. Et ben l'Italie devra patienter encore. C'est l'Espagne qui a entamé de la plus belle des façons cette série de 5 finales de championnat du monde. On va vous retrouver dans quelques instants pour la prochaine. Ça sera la finale du tête-à-tête féminin qui va opposer la Suisse Sylviane Metteron et une surprenante joueuse norvégienne dont je vous parlerai plus longuement tout à l'heure. Merci d'être aussi nombreux en France et ailleurs pour suivre cette belle journée de championnat du monde. À tout à l'heure. Jackie, comment ça va ?